told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stop and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far it's shaking for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, oh, oh. Je sais pas si vous, il fait chaud comme ça. Salut. Il fait hyper chaud. Salut à tous. Bonjour les bandits. On a passé un petit week-end sympathique. On a tout le monde qui est parti. Un grand week-end. Et du coup, on en a profité pour prendre deux jours de pause en fait. Rien faire. On a fait une petite pause. Ouais, voilà, on a fait quelques trucs. On va vous montrer ça en vidéo. On a branché le poste. Donc, vous voyez, j'ai fait ça aussi. J'ai fait mes portes. Mais je vous les montrerai sur la prochaine vidéo. Parce que là, c'est pas tout à fait au point, j'avais pas ce qu'il fallait. Il faut qu'on retourne au magasin chercher ces panneaux-là. Ils étaient en rupture. Il faut qu'on mette les petites poignées, les rails, et c'est pas top. Donc, ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Là, je vais vous faire voir plein de petites séquences qu'on a passées ce week-end. On a monté le poste, on a surtout passé un bon moment avec les amis. Ils m'ont vraiment donné un sacré coup de main. Je le répète encore, merci à eux. C'est vraiment cool. Et voilà, maintenant c'est bon, on a pris deux jours de repos, on est requinqué aussi, parce que j'avoue, là, on est un petit peu fatigué, puis la chaleur, c'est un truc de ouf. Ouais, ça tue tout, je pense. Ah, ça a tout cassé, mais là, on s'y remet, prochaine vidéo, aménager le bus, et là, la priorité, c'est le contrôle à la Dréal et le contrôle technique. Donc normalement, contrôle technique, on est OK. Là, voilà, ça va vraiment être la Dréal, et cette semaine, je finis les meubles en haut, et j'attaque la table. Donc là, il y aura un gros chantier à faire. Soyez présents, suivez-nous. Ouais, chouette. Parce que là, restez connectés. Ça va être assez complexe, Il va falloir bien réfléchir pour bien la faire. Et ça va être assez intéressant. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On vous tiendra en courant beaucoup plus régulièrement. Voilà. Clair. Donc, on vous laisse avec toutes ces séquences et on vous dit à bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Allez, bonne soirée. Ciao. Bisous. Je ne sais pas si je vous ai donné la recette. De la flamiche au maroilles. Regardez. On va se régaler. C'est une grosse pâte à pain qui est assez molle. Hein. Enfin, c'est ma recette à moi. Hein. Je l'avais élaborée quand on avait le restaurant. Regardez, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. La pâte est vraiment molle. Elle est assez dure. Elle est tellement molle qu'elle est dure à mettre dans le plat. Il faut vraiment y aller tout doucement. Mais ça va être super moelleux. Et moi, je mets mon maroilles. Je mets un petit peu de crème et juste du poivre. Je mets pas de sel parce que c'est déjà salé. C'est extra, vous allez voir. Là, je suis en train d'allumer le four. Vous allez voir quand je vais la mettre, je vais la sortir du four. Oh là 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 là, on va se régaler. On mange pas souvent du fromage, mais là, le maroilles, quand on vient du Nord, c'est obligé, quoi. On est obligé d'en manger, hein. C'est pas possible. Puis là, comme on avait... c'était, voilà, j'ai dit à tous mes amis, là, j'ai dit... j'ai vraiment envie de vous remercier pour... pour tous les coups de main que vous m'avez donnés, parce qu'ils m'ont super bien aidé. Je pense à Yo-Yo, je pense à Jeff, qui m'ont vraiment aidé ces derniers temps. Sinon, je remercierai plus tard tout le monde. Mais là, vraiment, là, ils m'ont vraiment bien aidé. C'est pour ça qu'on a été aussi vite, hein, faut pas rêver. Et c'est vraiment chouette. Et bah, je les remercierai jamais assez. Et je n'oublierai pas leur aide. Voilà. La charge de revanche. Donc voilà, j'ai dit, je vais vous faire un petit plat de chez moi. Et je leur ai fait une petite flamiche au maroilles. Chanter. Oui, c'est ça. Je
J'ai droit à un petit spectacle pendant que je surveille la flamiche. Parce que ça, faut la surveiller. Hein, parce que... Et je me suis pas donné tout ce mal depuis ce matin pour l'avoir cramé. Hein. T'aimes bien les flamiches? Ouais. Oh là 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 là, ça commence à griller, ça commence à griller, la 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 la. Je vais la sortir, regardez-moi ça. Je vais essayer de faire ça d'un bras, c'est pas évident. Hop, normalement ça devrait le faire. C'est bon, vous me voyez? Attention. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. From the first time I set my eyes on you, I didn't know from the start. I didn't know how you turned my life around, or how in love I'd be with who you are. But you showed me what it means to be loved. The way you touch me, hold me quietly, you're everything I am not. And when I have you in my arms, I feel undone. So in a long way, I've come to say I love you. Regardez, on a récupéré ça à la déchetterie. On l'a réparé vite fait. Allez, appuie. Ouais, elle appuie fort avec ton pied. Ouais, Lucas, il roule. Allez, appuie. Allez, Lucas, accélère. Appuie. Ouais. Voilà. La première caravane s'en va. On dit au revoir à nos amis. On va se retrouver seuls. Pas pour longtemps. Regardez la belle vue. Mika et Liliade derrière. Bah surtout Mika. Non, surtout Mika. Coucou les bandits. Ouais. Allez, à bientôt, merci bien. Un gros bisou. Bye bye. Ouais, bye bye. Non, moi je reste là. Au revoir Charlotte. Il y a comme un bruit ton camion là, non? Non, non, non. T'es sûr? Il n'y a pas comme un bruit, non? Regarde, vous entendez? On dirait qu'il y a une bielle ou un truc comme ça. Putain, si je casse le moulin après. Oh merde! Non, non. Et en fait, c'est un moteur espagnol et il joue des castagnettes. Ouais. Ouais. Bah, les gens, ils vont dire. Il y a comme un bruit, Mika. Hein? Regarde, goûtez. Ah, il y a comme un bruit. Il y a un petit bruit. Ah, il y a un petit bruit. Mais non, il hein n'y a pas de petit bruit. Si, si, un petit bruit. Là, quand il accélère, ça sent un peu plus. Il a monté à. Tu vas monter à combien de barres le turbo là? Bah, à 7 barres. Ouais. À 7 barres. Et ouais. Ça tient? Ouais, ça va, nickel. Ah, bah, à part à 300 miles, je crois. Ouais. Kilomètre heure. Ouais, bah oui. Hein. Je mets la 9e et puis après, voilà. Voilà, bientôt les copains. Allez, bisous, ouais, puis merci. Hein. Allez, de rien. On passera vous voir dans le Jura. Ouais. Dans le Jura, ouais, bah, t'as 200 km d'écart. Non, dans mémé. Les Vosges. Regarde la mémé, avec son petit marché. Ouais, je suis trop petite. Ah, elle a un petit marché pied. Je suis trop petite. Excellent, comme ça excellent. Elle est en hauteur. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que c'est ton mari qui te l'a acheté? Oui. Oh, c'est trop mignon. On est Jeff, Pascal et Mika et Caro, ils sont partis. Ça y est. D'accord? On a dit au revoir et tout. On a la paix. Nous, après, on est partis chercher des affaires scolaires pour les enfants, pour préparer leur nouvelle.
nouvelle année scolaire. D'ailleurs, on vous fera une vidéo là-dessus prochainement. Ouais. On vous expliquera tout. Et là, sur la route, je me dis, Jeff, il m'a même pas dit au revoir. Il était dégoûté. Du coup, dégoûté. J'envoie un petit message. Je fais, je suis dégoûté, Jeff, il m'a pas dit au revoir. Et puis tout à l'heure, on a les enfants qui nous appellent parce qu'on les a laissés chez grand-mère. On a les enfants qui nous appellent. Ils nous disent, devinez quoi ? Il y a Jeff et Pascal qui sont là. Donc ils ont fait demi-tour, ils nous attendent pour nous dire au revoir. Enfin, Jeff, parce que Pascal, elle m'a dit au revoir. Mais moi, Jeff, il m'a dit au revoir. Bah non, mais on s'est croisés du regard et on a dû s'oublier. Et il est revenu pour me dire au revoir. Ils ont fait demi-tour pour dire au revoir à Jérémy. Mais du coup, nous, on était partis au magasin. Donc là, on se dépêche pour rentrer pour le... C'est trop mignon. Pour dire au revoir. Ouais, c'est touchant quand même. On se dépêche du coup de rentrer, ouais, pour faire un petit bisou. Il était dégoûté. Ça y est, mon frère. Hein ? Ça veut dire quoi, ça ? Il m'a pas dit au revoir. Non, mais... Oh merde. J'ai dit, non, c'est pas possible. Vous étiez loin ? Non, on était super rue. Super rue. Puis on a flâné un peu parce qu'on était au frais là-dedans. Ah bah ouais, nous aussi. Voilà, on était au frais et puis. Je retourne au camping-car. Puis je voulais faire un parc Fortnite, tu vois. Pour aller faire une pause. Et tiens, ils m'ont envoyé un message. Et voilà, et je vois le truc passer, un message. Il me dit, ah, Jeff, tu ne vas pas dire au revoir. J'ai dit, ouais, et voilà, c'est sûr maintenant. Oh merde. Donc, bon, on retourne. Allez, un gros câlin alors. Un gros câlin. Bon, allez. Leur chien, il ne voulait pas rentrer dans le camping-car, il voulait rester ici. Il montait dans le bus. C'est la première fois. Il tournait, non, non, je veux pas rentrer. Non, non, du coup, il partait à chaque fois. Il disait, non, non, je veux pas rentrer. C'est quoi, t'es obligé de le mettre dans le camping-car avec un petit coup de cul. Je te jure. Ah, là, là. Même les animaux, ils se sentent bien ici. Avec les vadrouillards. Je suis en train de faire un petit peu de rangement dans les câbles ici. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça serait bien que j'installe un poste. Et comme on est en 24 volts, j'ai pas de transfo en fait. Et dans Flash, j'avais un petit transfo d'origine qui faisait du 12 pour alimenter mon poste autoradio. Et là, j'en avais pas. C'était un poste apparemment qui fonctionnait en 24. Donc j'ai chopé sur Amazon un petit transfo 12-24. Qui fait 180 watts, 15 ampères. Voilà. Donc là, je sors du 24 et là, je sors du 12. Comme ça, je pourrais alimenter le poste autoradio qui est dans le 806. Et j'espère que ça va fonctionner. J'ai deux petites enceintes. Je vais voir si je peux réussir à les brancher au moins pour avoir un peu de musique. Et puis après, je pense que je mettrai des enceintes de kéké là, sur le gros enceinte pour faire du bruit. Parce que c'est trop bien la musique à fond. Hein, Lucie ? Ouais, c'est trop trop bien. Donc, et nous, on aime bien écouter la musique à fond, on aime bien quand ça pète, hein. Ouais. Donc, ben là, je suis en train de repérer les fils. Là, j'ai la caméra de recul, je sais pas si vous vous souvenez. Donc, j'ai fait un petit peu le bazar, là. Donc, je suis en train de tout bien ranger proprement. Parce que là, il y en a des câbles. Ouais, il y en a des câbles. Je vais mettre un petit... voilà, je vais mettre des petits rivesans, histoire de bien les caler au fond, qui me gênent pas. Et puis ensuite... voilà, il va falloir que je trouve un plus permanent parce que j'aurais peut-être pas de mémoire sinon sur le poste. Donc j'essaie pas trop comment faire. On va voir. Je range déjà tout ça et après je vous redis si j'ai moyen de trouver un plus permanent, si j'aurai de la mémoire et tout. Si je vais réussir déjà à brancher le poste, voir si ça fonctionne bien. Mais là il faut que je fasse un gros coup de rangement. Ok ? À tout à l'heure. Bon bah j'ai pas de plus permanent donc ça va être un petit peu galère. Je sais que le... Comment ça s'appelle, où on met le disque ? Le chrono. Le chrono, je sais que le chrono, normalement, il est en permanent. Le chrono tachygraphe. Chrono tachygraphe, donc je vais voir si je peux essayer de rechoper un plus au chrono tachygraphe. Et là, c'est mal engagé. Sinon, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais carrément tirer un fil des batteries qui sont là, jusqu'à là. Et ça sera en direct. Et la caméra, on pourra l'allumer tout le temps, en fait. Un peu comme dans Flash, c'était bien, ça. Quand on voulait voir s'il y avait du monde derrière le car, tu te souviens ? On l'allumait. Parce que là,
ça va pas être. Même l'allume-cigare, il est pris sur un pré-contact. Je vais regarder, parce que si c'est pour repiquer un fil de, du chrono, ça va pas faire propre, franchement. Même mes batteries, elles sont juste là. J'ai pas loin à faire, faut que je démonte un petit peu pour emmener tout ça là-haut. Et je pense que c'est faisable, ça sera aussi bien. Et au moins, je refais tous les branchements, ça sera bien plus propre. Oh là. J'ai réussi à repiquer un plus permanent. En fait, c'est celui qui alimentait le petit cadran du vieux basto et qui est branché sur, déjà sur un disjoncteur. Donc comme ça, au moins, il est... je l'ai rebranché dessus, je l'ai repiqué, il est protégé. Vous voyez, je suis à 11,8. En fait, c'est pas vraiment du 12. C'est vraiment 11,8. Donc j'ai pas beaucoup, beaucoup de watts en sortie. Je pense que c'est le convertisseur 24-12 qui fait ça. Bon, bah, le poste, il s'allume, c'est toujours ça. Et maintenant, il va falloir trouver une enceinte. Et à mon avis, le son il va être pourri. Et parce qu'en fait, il y avait énormément d'enceintes dans tout le car. Donc, j'ai plein de fils d'enceintes, mais je sais pas. Donc là, j'ai juste dénudé deux fils. Et puis, bah, je vais tester partout. Hein. Savoir si j'ai du son qui sort. Droit d'auteur, attention. Et j'ai celui-là. Normalement. Ouais, c'est pas si pourri que ça. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt. Quelle connerie j'ai fait. J'ai coupé les fils trop vite. Moi, je pensais pas. Je me dis, ça va jamais aller. Mais en fait, c'est les mêmes cosses qu'une voiture, Jérémy. T'avais juste à brancher ta cosse et ça fonctionnait. Ah, elle a encore fait une connerie. Ah, c'est pas grave, mais bon, je vais mettre des cosses. Ah. Ah, t'as vu? J'ai l'impression de me voir quand j'ai monté le poste dans Flash. Regardez les vidéos, les toutes premières vidéos de la chaîne, quand on aménage le bus de Flash, quand on aménage Flash. Ah bon? Ouais, et même que je fais « I'm the Rock ». Tu vois? J'étais en train de monter, j'avais les enceintes dans des seaux et tout. Ah ça, oui, ça veut je dire pensais que c'était la même musique. Ça veut dire que, qu'on prend la route maintenant. Ah, j'ai... Ouais, j'ai une vitesse. Ah. Vas-y, vite, on s'en va. Ah, j'ai peur. Allez, en route. If I'm loving you wrong, short changing and receiving, girl, you best believe in me behind, cause I'm old. C'est nous les vadrouilleurs, salut. Un autographe, j'ai pas le temps, ah, j'ai rien à faire. Salut les bandits, à bientôt, bye bye. Bye-bye.